Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai est décédé d'un cancer du côlon ce mercredi 14 février à Johannesburg en Afrique du Sud. Grande figure de l'opposition, il avait brigué à 3 reprises la présidence. Retour sur son parcours dans cette édition. Dans l'actualité sportive, la Côte d'Ivoire débute avec une victoire au tournoi UEFOA 2018. Les Ivoiriennes se sont imposées avec 1-0 face aux Ghanéennes, le seul but de la partie marqué à la 103e minute. Et puis danser pour changer, chanter pour la paix, c'est le slogan qui a animé le festival Amani. Artistes, musiciens et chanteurs se sont produits lors de cet événement à Goma en République démocratique du Congo pour le retour de la paix dans ce pays en quête d'une paix durable depuis plus de 20 ans. Mais tout d'abord, suite à la démission avec effet immédiat du président Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa sera élu dès ce jeudi président de l'Afrique du Sud, une annonce du Congrès national africain, parti qui dispose de la majorité absolue au Parlement. Pour rappel, le président Jacob Zuma, accusé de corruption, a quitté les fonctions qu'il occupait depuis 2009, une démission qu'il a lui-même annoncée ce mercredi soir lors d'une allocution en direct à la télévision. Au Zimbabwe, le parti du MDC, Mouvement pour le changement démocratique, a perdu son dirigeant historique. Morgan Tsvangirai est décédé ce 14 février à la suite d'un cancer du côlon. Retour sur son parcours, le parcours de celui qui était devenu une véritable icône de l'opposition face à Robert Mugabe. Ashley Duprat. Une page s'est tournée dans l'histoire de la politique zimbabwéenne le 14 février. Alors qu'il était hospitalisé à Johannesburg en Afrique du Sud, Morgan Tsvangirai, leader historique de l'opposition zimbabwéenne, s'est éteint à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer du côlon. Comme vous le savez, le président de notre MDC, Morgan Tsvangirai, ne se portait pas bien depuis un certain temps. C'est avec tristesse que j'annonce que nous avons perdu notre icône et notre combattant pour la démocratie. Combattant pour la démocratie, Morgan Tsvangirai avait occupé le poste de Premier ministre de la cohabitation de 2009 à 2013. L'opposant historique a brigué à 3 reprises la présidence, des tentatives soldées d'échecs et entachées de soupçons de fraude. Pendant plus de 15 ans, Morgan Tsvangirai s'est imposé comme le symbole de la lutte contre Robert Mugabe. Beaucoup de gens aimaient Tsvangirai plus qu'ils n'aimaient le MDC. Beaucoup de gens des zones rurales connaissent Tsvangirai plus qu'ils ne connaissent la marque MDC-T. Tsvangirai est devenu un personnage très connu étant donné que c'était Morgan Tsvangirai et personne d'autre qui a démystifié le pouvoir de Mugabe. Alors qu'il devait être le candidat officiel de l'opposition lors des premières élections post-Robert Mugabe, Morgan Tsvangirai, enlisé dans sa lutte contre le cancer du côlon, avait laissé sa place de challenger à l'un des vice-présidents de son parti, Nelson Chamisa. Au Rwanda, une rencontre a été organisée ce 13 février 2018 entre le président Paul Kagame et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Au cœur des discussions, les réformes au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais également la question de sécurité en Afrique centrale. Reportage fraterne d'Akaï Sangar. Le président rwandais Paul Kagame a accueilli ce 13 février son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba pour une visite officielle d'une journée. Plusieurs sujets étaient au menu, notamment les réformes qui se préparent au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président gabonais assure également la présidence de cette communauté que le Rwanda a réintégrée en 2015 après 8 ans de retrait. Les deux chefs d'État ont évidemment discuté sur le renforcement des relations bilatérales qui se portent bien. Et comme nous voulons plus de coopération entre les deux pays, moi et mon collègue gabonais avons été chargés de rassembler dans les plus brefs délais une équipe composée de Rwandais et de Gabonais qui sera à son tour le renforcement de nos relations, surtout en matière d'investissement. Les deux présidents ont également touché la question de la sécurité dans la région de l'Afrique centrale et l'accord de la libre-échange continentale qui sera signé le 21 mars 2018. À la veille de quelques échéances, notamment d'un prochain sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale sur les questions de paix et de sécurité, les deux chefs d'État ont échangé là-dessus, mais aussi à la veille des échéances continentales qui vont commencer
par une série de réunions ministérielles, mais aussi le sommet de l'Union africaine qui va se tenir en juin prochain. Donc en gros, voici la substance de l'agenda des deux chefs d'État au cours de cette visite qui s'achève. Rappelons que le président rwandais Paul Kagame a pris ses fonctions à la tête de l'Union africaine en janvier 2018. Il est également chargé de mener des réformes au sein de l'institution continentale, surtout en ce qui concerne son système de financement. Également dans l'actualité, le choc en ouverture du tournoi féminin de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone B. Côte d'Ivoire-Ghana, un match très serré ce 14 février. À domicile, les éléphants version dame ont pris le meilleur sur les Black Starlets du Ghana. Reportage, Oliva Djakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes s'imposent 1-0 face aux Ghanéennes le 14 février 2018 au stade Robert Champour de Marcory à Abidjan. Une rencontre comptant pour la première journée de la poule A du tournoi féminin de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B. En première mi-temps, la possession est à l'avantage des Black Starlets grâce à une meilleure circulation du ballon. Mais elle ne se crée pas de véritables occasions. Au retour des vestiaires, les Ivoiriennes imposent un gros rythme physique à leurs adversaire et marque le seul but de la partie à la 103e minute. Cette victoire, nous la dédions au football féminin de façon générale, à tous les présidents des clubs qui ont leurs joueuses au sein de cette sélection nationale. Et également, merci à la Fédération ivoirienne de football qui nous a mis dans des conditions vraiment pour préparer ce tournoi. La poule A est composée de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso et du Niger. La deuxième journée est prévue pour le 16 février 2018. Les Ghanéennes rencontreront les Nigériennes et la Côte d'Ivoire sera face au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, nous regorgeons de joueuses talentueuses. Voilà, si on nous donne le minimum de travail, je pense que la Côte d'Ivoire peut faire de grandes choses. Voilà, il faut croire en ces filles-là. Nous sommes prêtes pour mieux en découdre avec nos prochaines adversaires, Niger comme Burkina. Huit pays prennent part du 14 au 24 février 2018 à cette Coupe de la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines. Une compétition féminine dans laquelle les équipes ivoiriennes, nigérianes et ghanéennes sont de sérieuses prétendantes au titre. Danser pour changer et chanter pour la paix, c'est la devise du festival Amani, un événement musical qui s'est déroulé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, et qui tente à promouvoir la paix dans la région, mais aussi à mettre en avant les artistes locaux. Aïssatou Diamanka Besland. Chanter pour la paix, chanter pour que la paix revienne pour de bon, ça sonne presque comme une invitation. Ces mélodies qui tombent comme une ode à l'amour de son prochain. Le festival Amani, Amani signifie paix en Swahili, a vu défiler de nombreux artistes du vendredi 9 au dimanche 11 février 2018 dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour la chanteuse Ira Irene et ses deux frères, ce rendez-vous culturel est un grand moment d'échange et d'émotion partagé avec le public. Le festival Amani, pour moi, aujourd'hui, c'était une grande chose. Parce que je peux dire que c'est une grande porte qui est ouverte et c'est déjà un pas pour moi parce que ça sera la première fois de prester sur un grand podium comme celle du festival Amani. Le festival, qui est à sa 5e édition, a pour ambition cette année de changer l'histoire du pays en proie à des conflits armés afin de donner de l'espoir aux Congolais. Il a attiré des milliers de mélomanes venus de toute la région des Grands Lacs, même si la question d'insécurité est vite revenue dans les esprits. Moi, je trouve qu'il y a manque d'amour par les habitants aussi, manque de mauvaise volonté de certaines personnes qui ne veulent pas que la paix continue parce que peut-être il y a certaines personnes qui se retrouvent par rapport à l'insécurité de la ville, alors que nous avons besoin de voir une paix durable au Congo. Selon les organisateurs, le festival de 3 jours a attiré près de 30 000 personnes.
l'artiste national Ferregola, Jupiter et son groupe Okwese étaient à l'affiche. D'autres artistes en provenance du Burundi, du Rwanda et d'Ouganda ont participé à cette fête pour la paix. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.